Salut à tous et oui, je suis assis dans mon petit fauteuil. Je vous rassure, hein, mes problèmes de dos sont partis à 80%. Je ne reprends pas les lives tout de suite. Il y a 2-3 trucs que j'aimerais régler qui n'a rien à voir avec le stream et qui n'a comment dire, qui sont plus en rapport avec moi-même. Donc il y a quelques petits trucs que j'aimerais régler, puis je reprendrai les lives après. De toute façon, il y aura toujours les vidéos et les podcasts entre temps, donc vous inquiétez pas, tout va bien. Je commence à peine à profiter de mes vacances. Et il me reste 15 jours de congé. C'est formidable. Alors du coup, je tourne cette vidéo pour la seconde fois parce que oui, comme un âne batté, j'ai effacé. Ouais, donc voilà, j'avais laissé une fenêtre ouverte et j'entendais du bruit, je me demandais ce qui se passait. Ok, donc voilà, on va reprendre où j'étais. Donc cette vidéo, je l'avais déjà tournée une fois, je l'ai effacée par erreur dans mon caméscope. On va recommencer. Et ça tombe bien parce que la précédente vidéo, il faisait très sombre. Aujourd'hui, on va profiter que oh, c'est quand même un temps relativement clair malgré qu'il fait un peu frais. Et c'est pas plus mal pour refaire cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vider en l'intégralité de ma vitrine. Passer aussi en revue les différentes choses qu'il y a dedans. Bon, j'ai une vitrine entière remplie avec que des trucs Nintendo. Si je me souviens où je l'ai acheté et le prix que j'ai payé, je le mentionnerai. Si vous voyez que je le mentionne pas, c'est peut-être un parce que je l'ai oublié. Voilà. Et deux aussi parce que c'est peut-être pas forcément aussi pertinent. Il y a peut-être des choses, voilà, que les prix ont peut-être pas forcément évolué. Et des trucs que j'ai peut-être aussi parlé, abordé dans une autre vidéo. Alors, on commence par un truc que j'ai dans les mains. Mon Power Globe en version NES. Parce qu'il y a une version Famicom où le câble pour relier le Power Glove au petit boîtier est plus large, il me semble. Ou alors non, c'est le câble qui est sur le boîtier qui est plus large pour le mettre sur le côté de la Famicom. Voilà, est-ce qu'il fonctionne? Ben figurez-vous que je l'ai depuis un an et je l'ai toujours pas essayé. Dû en grande partie au fait qu'après mon déménagement, je me souviens plus où j'ai mis les capteurs. Puis de toute façon, je n'ai pas comment dire, il y a un jeu avec qui s'appelle Super Power, enfin comment dire, Super Glove Ball, je crois, un truc comme ça. Je ne l'ai pas, donc forcément, je veux dire, tester le Power Glove avec des jeux comme Super Mario ou des machins, comme ça, c'est forcément moins bien. Donc il est dans ma vitrine. Et d'ailleurs, chose amusante, comme j'arrive pas à le faire tenir droit, ou je le mets sur le côté, et je mets l'amiibo Yoshi Len, le gros modèle en fait, là ici dans la main. Donc en fait, on dirait que le Power Glove, il essaie d'étrangler le Yoshi. C'est voilà, c'est une suggestion de présentation, comme ils appellent ça dans les pubs. Alors, par quoi on commence? Par des trucs peut-être que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On va parler des... Si j'arrive à l'attraper. Allez, viens ici. Voilà. On va parler des TV, des Color TV Games. Tout du moins des modèles que j'ai, parce qu'il y en a un que... C'est pas que j'en veux pas, hein. C'est que ça coûte cher. Et ça prend de la place. Et des trucs qui coûtent cher et qui prennent de la place, j'ai pas forcément besoin de ça en ce moment. Donc j'ai commencé par vous en parler dans l'ordre où je les ai achetés. Donc j'ai d'abord acheté ce CTG15V. Donc qui est le Color TV Game 15. Dans sa boîte. Attention, la boîte elle est pas en super état. Mais par contre, la console en elle-même est en très bon état. Tout fonctionne. Donc, si vous voulez d'abord un de ces trucs dans votre collègue, et si vous voulez y jouer, il va falloir penser à faire un truc qui est de changer le câble vidéo, ou alors le couper pour mettre un embout différent. Mais, personnellement, je vous conseille quand même de le changer. Hein. Certains des vieux câbles comme ça sont tellement fins que vous n'arriverez pas de toute façon à mettre une fiche. En fait, pourquoi je vous dis de changer en fait le câble, c'est parce que tout simplement, vous n'arriverez pas à mettre l'embout dans une télé. Dans une télé aux normes françaises et européennes, c'est impossible. Après, va falloir trouver une télé qui va réussir à vous capter le signal. Ça, je vous le dis franchement, hein, c'est... Comment dire? Soit vous avez le bon truc, soit vous l'avez pas, et des fois, ça risque d'être un peu l'enfer. Certains conseillent aussi de passer par un magnétoscope. Si vous avez un magnétoscope, mais un bon magnétoscope, genre un... Comment ça s'appelait ces trucs-là? Les trucs qui étaient capables de lire les VHS américaine, tristandard, voilà, chercher. J'ai un pote qui a ça, et putain, c'est vraiment nickel. Par contre,
C'est de l'électronique qui a 30 ans, hein, donc voilà, tôt ou tard, ça va finir par lâcher. Donc voilà, Color TV Game 15, la boîte, elle est vraiment pas bon état. Je l'ai dit, la console Wii, il va falloir bricoler un tout petit peu si vous voulez y jouer. Mais c'est pas bien dur, hein, il s'agit de démonter la machine, de prendre un fil d'antenne qui va bien, de le couper dans l'extrémité où il va sur la console, de souder la masse et puis enfin la masse et le signal, et après refermer le boîtier. C'est pas bien compliqué. Ce que je vous conseille, en tout cas pour tous les Pong, tant que vous le pouvez, alimentez-le avec des piles. Au moins vous êtes sûr que dedans, si jamais il y a... ça va... Comment dire? Quand vous branchez une alim, ça passe par un régulateur de tension variable, donc généralement c'est un 7809 pour le 9V, 7812 pour le 5V, 7805 pour le 5V. Mais ces régulateurs de tension variable, parfois ils deviennent très paresseux et des fois ils lâchent en fait. Tandis que généralement avec les piles, vous êtes sûr au moins de ne pas le risquer, vous êtes sûr de ne pas mettre l'alimentation, comment dire, parce que... Il y a toujours des sens, hein, le centre négatif ou le... Ouais, c'est ça, centre négatif, enfin bref. Il y en a beaucoup qui confondent aussi AC et DC. Donc voilà, ça m'est arrivé une fois, hein, ça m'est arrivé. Donc c'est pour ça que je jette pas la pierre. Pour ça aussi que j'ai fait une petite grimace. C'est pour aussi signifier que j'ai déjà fait cette erreur. Donc celui-là, je l'avais payé, je pense, frais de port compris, quelque chose comme 89-90 euros. Je l'ai acheté l'an passé sur eBay, faudrait que je regarde le prix, mais il me semble que c'est ça. C'est plutôt pas une mauvaise affaire, sauf la boîte qui était en pire état que ce que je pensais. Et tout de suite après, je me suis dit, ah, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout le CTG BK6, donc, qui s'appelle Color TV Game Block Kuzushi. C'est en fait un casse-briques, tout simplement. Il me semble d'ailleurs que bloc Kuzushi, c'est ça, ça veut dire casser les briques. Alors, je l'ai cherché pendant longtemps à un prix acceptable, et surtout en bon état. Parce que des fois, vous envoyez dans des états cosmétiques dégueulasses. Ce qui se passe, c'est que les gens enroulent le fil autour. Mais un câble comme ça, avec une gaine un peu en caoutchouc, on peut le dire comme ça, qui vient en fait être enroulé, au bout d'un moment, en fait, ben, le câble se désagrège, ça laisse des traces. Bon, celui-là, il y a quelques griffes partout, par-ci, par-là, mais ça va. Et surtout, je l'avais vu auprès d'un revendeur auquel j'ai l'habitude d'acheter. Et je me suis dit, ah, bon, je sais à peu près ce qu'il vend, je sais à peu près niveau frais de port comment il fonctionne. Donc celui-là, je l'avais chopé, sans déconner, hein, pour 19 euros. Mais il était vendu pour pièces. Bon, ce qui m'inquiétait, c'était que le vendeur le vende pour pièces, que généralement c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais finalement, bon, en fait, il fonctionnait. Il fonctionnait. Alors attention, il faut. Lui ne s'alimente pas avec des piles. Obligatoirement une alimentation 9 volts. Il me semble que si vous. Alors je suis pas sûr du tout, hein, ça sera à vérifier. Hein. Tenez pas ça pour argent comptant. Ok, je pensais que la caméra s'était arrêtée. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc oui, je disais, si vous avez potentiellement la libre de Mega Drive, vérifiez quand même ce que je vous dis avant de faire ça, mais je pense qu'avec une libre de Mega Drive, ça fonctionne. Elle est plutôt cosmétiquement en bon état. Alors, est-ce que c'est vraiment un truc intéressant? Moi, si vraiment vous voulez jouer à un casse-brique, fabriquez-vous ou achetez un spinner et fabriquez-vous un panel arcade. C'est à mon avis ce qu'il y a de mieux. Mais bon, ça reste quand même rigolo. Hein. Par contre, la machine, c'est impressionnant, elle pèse rien. Quoi. Et il me semble aussi, si ma mémoire est bonne, que c'est l'un des premiers travaux d'un jeune gars plein de talent, un gaillard, une force de la nature, pour citer les chiens. En fait, c'est l'un des premiers trucs de Monsieur Miyamoto. Voilà, chez Nintendo. Il me semble qu'il a fait le design de la machine, pas du jeu en lui-même. Et alors que j'étais pour présenter mon exposition Nintendo l'an passé, je l'ai vu tomber un truc sur eBay et je me suis dit, ah, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? N'arrivant pas à me décider, il y avait des jeunes qui étaient là, je leur dis voilà, je vais vous montrer un truc, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Direct, on dit oui, il faut le prendre. Donc, du coup, voilà. Et je regrette pas d'ailleurs. Donc le Color TV Game 6S, alors le 6S c'est le modèle blanc,
faut savoir que le modèle blanc n'est pas resté en production très longtemps. Alors, les historiens de chez Nintendo et tout ce que j'ai pu lire sur Internet, pour une fois, vont dans le même sens, disent qu'il a été retiré pour des soucis de fabrication, mais ils ne disent pas lequel. Et le problème, c'est que, bah, comme le mien fonctionne, je serais incapable de vous dire exactement ce qui cloche avec, avec le 6S, mis à part qu'il est quand même relativement plus rare que le 6 normal, à savoir le modèle orange. Si vous le voyez tomber à des prix respectables, prenez-le quand même, parce que bon, c'est quand même pas un truc ultra commun. Hop, voilà, je vais remettre ça au-dessus, parce que ça traînait par terre, ça me plaisait pas. C'est pareil, hein, donc tous mes Color TV Game, j'ai dû remplacer le câble d'antenne. Je le regrette pas, parce que du coup, il fonctionne. Et le TV Game 6, je pense, lui, qui marche aussi avec les piles. Donc voilà. Allez, on va passer maintenant à la partie jouer. Alors, j'ai essayé de faire ça en plusieurs blocs. Hein. D'abord, tout ce qui est de l'époque console Pong, on va dire ça entre guillemets. Ou console Pong est un terme générique pour signifier plus ou moins les consoles sans cartouches qui se changent et avec plus ou moins un type de jeu à l'intérieur avec des variantes. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis toujours le mot console Pong, au moins on sait plus ou moins de quoi on parle. Donc la seconde partie, ça va être tout ce qui est jouer. Ouais, c'est ça. Jouer et jeux électromécaniques. Après, ça sera les jeux de plateau. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Notamment des trucs qui sont pas forcément fabriqués par Nintendo, mais sous licence Nintendo. Et on va faire ensuite jeux de cartes. Et voilà, on va terminer par l'époque Famicom, Game & Watch. Et ce sera, à mon avis, je pense qu'on aura fait le tour. Allez, on commence par un petit bidule fort sympathique. Un machin que j'aime bien, qui s'appelle le... Putain, j'ai un trou de mémoire. Ah, c'est terrible, ça. C'est terrible. Je l'ai préparé, j'ai préparé tout ça pour sortir tout de la vitrine. Il y a devant les petits présentoirs où c'est marqué l'année et j'ai oublié le nom. C'est super. Ça porte aussi le nom de Nintendo Barrel, Barrel Puzzle. Ça s'appelle le Nintendo 10 Billion. Voilà, j'ai même pas fait une coupure. J'ai réussi à m'en souvenir. Ça date de 1980. Ça a été designé par Gunpei Yokoi. Il y a une Florent Gorge a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ce puzzle. Si vous voulez avoir plus d'infos dessus, allez-y. Il faut savoir qu'on en trouve encore neuf. On en trouve aussi d'occasion en Europe, notamment en Angleterre et en Allemagne. Celui-là, je l'ai acheté en Angleterre. J'ai payé moins d'une vingtaine d'euros. Et il existe un 10 Billion de l'époque Club Nintendo qui est en forme d'étoile, qui s'appelle... Oh, je sais plus, Star Billion ou quelque chose comme ça. Très sympa d'ailleurs l'édition Club Nintendo. Voilà, c'est quand ça coûte pas très cher. Si vous êtes fan de Rubik's Cube, allez-y. Par contre, attendez-vous à en chier, ça c'est quand même nettement plus dur. Alors, on va commencer par des trucs que vous avez vus dans plusieurs de mes vidéos, enfin dans mes vidéos récemment. Love Tester, donc je vais pas le sortir de sa boîte, je vais pas vous le remontrer, vous l'avez vu il y a pas longtemps. D'ailleurs, je pense que les choses que vous n'aurez pas forcément vu dans une vidéo, les choses que j'ai pas forcément présentées dans une vidéo, des trucs tellement obscurs, si jamais il y en a, je vous les montrerai à part en filmant ça, en faisant des plans séquences à part de cette vidéo. Mais ça, comme vous l'avez vu il y a pas longtemps, je vais pas le représenter. J'avais dit dans une précédente vidéo le prix où je l'avais payé. J'ai vérifié entre temps, je l'ai même payé 5 euros de plus. Voilà, donc bon. Il me semble que j'avais dit que j'avais payé un truc comme 90 euros. Il me semble que ça m'est revenu à 96 euros, avec tout compris, différents frais de port et douane, voilà. Et le prix de l'objet. Et oui, d'ailleurs, vous avez été nombreux à me le faire signaler. Love Tester for Young Ladies and Men. Men, c'est le pluriel de man, mais je suis désolé, je suis un idiot. Mais c'est vrai, hein. Non mais, voilà, il y a des moments, comment dire, quand on fait les choses mal, bon, faut le dire, mais là, oui, effectivement. Autant je suis capable de lire et de me faire comprendre auprès des anglophones, mais ma grammaire est lamentable. Faut l'avouer, c'est pas grave, hein. C'est pas grave d'être nul en quelque chose, je le dis. Alors, le Custom Gunman, vous l'avez vu aussi il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Depuis, j'ai
renforcer deux coins de la boîte. Voilà. Le coin sur lequel la boîte est posée et le, comment dire, la partie extérieure, enfin, intérieure ici, voilà. Pourquoi ? Parce que ici, de toute façon, il y avait un petit accroc, en fait, dans la boîte ici. Je voulais consolider ça. Et puis l'autre côté, étant donné que quand je mets dans ma vitrine, c'est la partie sur laquelle la boîte repose, je m'étais dit que ça pourrait être une bonne idée. Il fonctionne, il est en très bon état. Et il n'y a pas longtemps, j'ai laissé passer une annonce sur eBay, je vais vous raconter ça vite fait. Il y a quelqu'un qui vendait deux Custom Gunman et une, je crois que ça s'appelle Jumping Bottle, c'est la même technologie. Les Gunman étaient dans un état lamentable, il aurait fallu recoller plein de choses, mais c'est parti. Les trois objets dans la même enchère pour moins de 19 euros. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais... J'aurais pu tenter d'en ressusciter au moins un, et puis faire un truc sympa avec. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce qu'en fait, l'enchère, je l'ai surveillée, jusque une heure avant la date, avant la fin, où je me suis dit, ah, vas-y, c'est bon. Je laisse tomber, ça m'intéresse pas. Enfin, le réflexe habituel de pourquoi j'ai suivi ce truc. Et puis finalement, une heure après, je me suis dit, merde, si j'avais su, on aurait pu faire un truc sympa. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ça vous l'avez vu dans une vidéo aussi l'été dernier, donc Nintendo Ultra Machine. Ah oui, j'ai oublié de dire, le Custom Gunman, c'est 1976. 1969 pour le Love Tester, et ça, je ne me souviens plus l'année, malheureusement. Ouais. Donc ça, pour moi, je l'ai payé un peu moins d'une centaine d'euros, je crois, aux alentours des 4... Alors, si ma mémoire est bonne, c'est entre 70 et 90, je me souviens plus exactement. Ça, c'est un truc que j'avais acheté l'an dernier. Très sympa, d'ailleurs, c'est rigolo, hein, c'est... Certains de ces jeux portent la mention Nintendo Game, l'autre, ça peut porter la mention Nippon Games, comme on me l'a fait remarquer il y a pas longtemps. Et, hop, vous avez parfois 3 ou 4 logos différents, en fait, sur les jeux de cette époque. Notamment un logo Nintendo écrit façon, beau lettrage. Le fameux logo NG, et ce que j'appelle, moi, le logo de transition, que je n'arriverai pas à vous montrer sans tout sortir. Voilà, qui est grosso modo le même logo qu'on a maintenant, le logo Nintendo, mais sans en fait le liseré rouge autour. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour les jouets et les jeux électromécaniques, et je vais aller chercher la suite maintenant. Donc, voilà, on va peut-être faire l'époque Famicom, au moins je vais être tranquille avec tout ça. Peut-être commencer par la console, hein, c'est parce que j'avais le robot dans la main. Désolé, j'ai perdu le fil à cause de mon voisin et de Radio Johnny Hallyday, c'est tous les dimanches après-midi, entre 14h et 18h, et j'ai un peu de mal, quoi. Vous pouvez quand même laisser reposer cet homme en paix au lieu de repasser en boucle ses chansons tous les dimanches. Donc voilà, la Famicom, que j'ai acheté pour une vingtaine d'euros, je sais plus où. Enfin, si, je me souviens, ouais. Bon, j'ai pas tellement envie de citer ce magasin, donc on va pas le faire. En très bon état, ce qui est d'ailleurs très rare avec les choses valant de ce magasin. J'ai rien contre, en plus, va falloir que j'y retourne un de ces jours. Parce que bon, c'est pas moi qui suis fâché avec. Peut-être falloir mettre les choses au point, voilà, mettre les choses au clair. Ouais, voilà, donc le problème des Famicom, c'est que le signal d'antenne, tout pourri. Mais j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, le problème de tout ce qui est en signal d'antenne, c'est que vous avez, en tout cas, d'après ce que j'ai compris comment fonctionnent les tuneurs, c'est que vous avez en fait l'image sur une fréquence et le son sur une autre fréquence. Le tuneur, en fait, de la télé, il s'arrête à un endroit, et normalement à cet endroit, il doit avoir l'image et le son. Le problème des signaux d'antenne japonais et américains, c'est que là où le tuneur s'arrête et vous avez l'image, vous n'avez pas le son. Mais d'après ce que j'ai compris récemment, il y aurait donc un petit interrupteur sur la Famicom, enfin un petit interrupteur, un petit potentiomètre, qu'il faudrait régler tout doucement avec un tournevis, pour que, à l'endroit où vous avez l'image, vous avez aussi le son. Il faudrait que je vérifie. De toute façon, cette Famicom, elle est purement
dans ma vitrine à des fins cosmétiques, pour présenter voilà, le set avec le robot, le Family Basique, le Data Recorder, dont je vais parler juste après. Donc, à falloir que je teste un prochainement. Bon, les jeux Famicom, je sais pas si j'ai fait la collection NES. Je sais plus. Je crois que si. Donc, si j'ai fait la collection NES, j'ai dû parler des jeux Famicom. Mais si j'ai pas parlé des jeux Famicom, j'en parlerai. Peut-être à part, j'ai pas énormément, donc on essaiera de cumuler avec autre chose. Maintenant, le robot. Je l'adore, en fait, ce Rob. Alors, est-ce qu'il est complet? Oui. Et j'ai à part. Hop. Bloc. Qui est complet aussi. Par contre, il manque le polystyrène à l'intérieur, ou je sais pas si le polystyrène du carton. Je suis en train de regarder. Ah! Et à l'intérieur, j'ai même un... Je sais plus comment ça s'appelait, ces trucs-là. C'est en fait un mini compact disque, en fait, qui porte... Enfin, avec de la chiptune dessus. Et celui-là, c'est celui avec Rob, et j'en ai un autre avec... Excitebike, voilà. Excitebike et MacRider, voilà. J'en ai encore un troisième, mais je sais plus où je l'ai mis. Alors, du coup, voilà. Je ne pourrais pas en parler. Donc, ouais, il est complet, il est nickel. Je vais peut-être le sortir de sa boîte vite fait. Pour vous le montrer, moi je trouve qu'il est stylé en fait en... avec le Color 7 Famicom. Donc, j'aimerais bien en avoir un avec les couleurs de la NES. Hein, mais... Disons que je me suis toujours interdit d'en acheter un. Parce que je m'étais dit que c'était deux fois la même chose. Donc, voilà, faut savoir des fois se donner des restrictions, même si c'est pas évident. Donc voilà, lui je le mets là. L'été dernier, j'ai découvert qu'il existait... Ah bah attendez, d'abord peut-être faut que je parle de ça. Ce sera plus simple. Bon, ça je pense que vous l'avez vu aussi. C'est ma Game Boy Micro en fait, édition Famicom. Et je m'aperçois qu'avec les années, la boîte, elle commence... Elle a pris un sacré coup dans la tronche, un sacré coup de vieux. Ça, j'essaierai de faire un petit plan séquence pour vous la montrer. Je crois qu'à l'intérieur, j'ai encore le ticket de caisse de là où je l'ai acheté. Et c'est un magasin que j'aimais beaucoup et qui a fermé. Non, j'ai plus le ticket de caisse, c'est plus dedans. Enfin bref, je l'avais acheté à Gameswave. Coucou à Olivier, hein, s'il regarde cette vidéo. Ça fait chier qu'il n'y ait plus ce magasin dans le coin. Mais bon, en espérant que sa santé aille aussi un peu mieux. Voilà, en tout cas, si tu regardes cette vidéo, salutations à toi. Et sache que... comment dire, c'est compliqué de puis avoir un magasin comme ça à proximité. Enfin bref, pour revenir à ce que je voulais, on va couper. Pour revenir à un sujet que je voulais parler juste avant, le Family Basic. J'ai acheté ça chez un petit commerçant de proximité. Je me souviens plus exactement le prix, mais c'était pas très cher. Et je m'aperçois que j'ai fait un pli dans le carton de la boîte. La façon que j'ai entreposé ça. Il n'y a pas longtemps, je pensais l'heure de mon déménagement, mais c'est pas grave. Ça, je devais tourner une vidéo là-dessus. Mais la vidéo, je l'ai tournée avec mon pote Charles. Puis quand j'ai regardé les rushs, je me suis dit, ouais, mais on dirait en fait deux ivrognes qui parlent. C'était forcément très drôle. Hein. Mais je me suis dit, ouais, mais si je mets cette vidéo en ligne, ils vont croire qu'on est bourré, alors qu'en fait, même pas. Donc cette vidéo, je ne l'ai jamais mise en ligne. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le Family Basic? C'est donc... c'est vendu avec une cartouche qui s'appelle Family Basic, sur laquelle vous pouvez faire de la prog, apprendre à programmer en basique, et vous pouvez aussi manipuler des sprites, en fait. Et c'est ce qu'on avait essayé de faire. On avait réussi à faire 2-3 trucs assez rigolos, hein. Et voilà, quoi. C'est... Le layout du clavier est très particulier, parce qu'il ne... Pour moi, il répond à aucune convention qui existe. C'est un mélange d'un AZERTY et d'un QWERTY avec des touches placées de façon totalement random. Ce qui fait que des fois, en fait, pour faire un truc tout bête, comme un tiré ou un slash, vous regardez le clavier pendant 2-3 minutes et vous vous dites où je dois appuyer. Et ça, c'est à mon sens un très gros problème. Et en me renseignant savoir ce qu'on pouvait faire avec ça, j'ai découvert qu'il existait un magnétophone. Et ce magnétophone, souvent,
il part en fait, en tout cas sur eBay, c'était une époque où je commandais pas sur, sur Yahoo Japon. Je voyais ce truc partir à des prix totalement débiles. Juste pour un logo quand même Nintendo marqué là. Bon, certes, il est joli, il y a le color, le set de couleurs de la Famicom, c'est très bien. Mais je me suis dit, putain, ça fait un peu chier, quoi, quand même. C'est quand même un peu cher pour ce que c'est, quoi. Et j'en ai vu passer un. Ça, je sais plus exactement quand. Janvier ou février. Janvier, oui, c'était en janvier. Il y a un Canadien qui en vendait deux à deux prix différents et il disait qu'ils étaient révisés. Ils étaient entièrement en fait révisés, en nettoyés et révisés, donc avec une nouvelle courroie. J'ai tenté le coup et en plus c'était moins cher que ce que je voyais passer d'habitude. Donc je l'ai eu pour 45€ et en regardant ce qu'ils vendaient, je me suis dit on va essayer de grouper les frais de port. J'ai vu qu'ils vendaient un petit livre en fait qui vous donne quelques astuces en fait pour apprendre à manipuler en fait le Family Basic. Donc je me suis dit, allez, ma foi, pourquoi pas, allons-y. Au moins j'aurai quelques exemples papier, écrits sur le papier en fait de script, pour voir ce qu'on peut faire avec. Bon, il y a moyen de faire des trucs rigolos avec, mais comment dire, j'ai jamais réussi à faire des trucs vraiment exceptionnels, on va dire ça comme ça. Vraiment intéressant, voilà. Et pour terminer, ma toute première Famicom qui était une AV Famicom, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Voilà, elle est toujours dans sa boîte d'origine, nickel, avec les manettes. Et par contre là, ah non, tiens, c'est marrant. J'allais dire, je peux vous dire le prix où je l'ai payé. Ah si, voilà. Je l'ai acheté, toujours à GamesWave, le 3 juin 2011, à 15h51, pour 99,90€. J'ai toujours le ticket. Voilà, c'est toujours un... Comment, j'aime bien garder les tickets de caisse quand c'est des magasins dans lesquels j'apprécie aller, voilà. Et du coup, je l'ai toujours gardé dedans. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui est de l'époque Famicom. Je vais essayer de ramener tout ce qui est Game & Watch, jeux électroniques. Et après, je pense qu'on fera jeu de plateau. Allez, c'est parti. Oups là, oups là. Oups. Hop. Hop. Allez, on va commencer l'époque jeu électronique. Mais il y a deux trucs qui ne rentrent pas dans ce qu'on avait convenu au départ, à savoir tout ce qui était jusqu'à l'époque Famicom et après on arrête. Mais il y a quand même deux, trois trucs que j'ai envie de vous présenter. Bon, le Calculator Boy, vous l'avez vu dans une précédente vidéo où je le réparais. Depuis, il ne fonctionne plus. Et quelque part, c'est ma faute. Hein. J'avais acheté ça quasiment allez, à la moitié du prix que ça coûte en fait en état de fonctionnement. Donc c'est un peu de ma faute, hein. Comme je dis toujours, ça m'apprendra à être con. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le Calculator Boy? Vous l'ouvrez et à l'intérieur, c'est une petite calculatrice. Faut savoir que ça, je l'ai eu quand j'étais petit. Et ça, c'était un machin que je prenais pour aller à l'école pendant très longtemps. Par contre, je suis incapable de me dire ce que j'en ai foutu. Et ça, ça m'emmerde, parce que j'aurais vraiment voulu retrouver celui que j'avais à l'époque. Et un autre truc que j'ai eu, enfin, que je pensais avoir, mais entre-temps, je me souviens que c'est pas ça que j'ai eu, c'était autre chose d'un peu similaire. Allez, reviens. Mais, voilà. Désolé, il y a l'anneau du porte-clés qui était parti dans la boîte. Comme certains le savent, je suis un peu monomaniaque, alors du coup, ça m'embêtait. En fait, j'étais persuadé d'avoir eu ça quand j'étais gamin, qui s'appelle le Time Boy. Ça ressemble en fait à une petite Game Boy, voilà, ça donne l'heure, c'est un porte-clés. Donc, il est sous blister. J'étais persuadé de l'avoir eu, donc je voulais l'acheter, comment dire... J'en voulais un. Et en fait, quand je me suis... Comment dire, quand j'en ai trouvé un, il y en avait un en vente sous blister au même prix que celui qui n'était pas sous blister. Donc je me suis dit, bah, je vais pas être con, je vais commander celui sous blister, et je verrai, parce que parfois, il y a certains de ces blisters que l'on peut ouvrir proprement. Puis en fait, quand je l'ai reçu, j'ai jamais voulu l'ouvrir, en fait. Tout simplement parce qu'apparemment, dedans, il y a une pile, et je me doute que la pile à l'intérieur, elle n'a pas dû
comment dire, elle n'a pas dû aimer être enfermée pendant autant d'années. De quand ça date d'ailleurs? 92. Et c'est un produit de chez Loisir Sélection, sous licence Nintendo. Une société qui était basée au Blanc-Mesnil, dans le 93. voilà. Donc voilà, c'est un truc qui me faisait marrer, mais je me suis souvenu ce que j'avais eu entre-temps, c'était une montre Game Boy, que j'avais eu quand j'étais tout petit. Alors, on commence par quoi? Les Game & Watch. On va commencer par un truc qui n'est jamais sorti chez nous, que je me souviens plus si je voulais montrer dans une vidéo, mais je voulais faire un Docteur Chou là-dessus. Je sais pas si je l'ai fait, parce que... Ah, je crois que je... Alors, je peux me tromper, mais sans cette vidéo, je l'ai jamais foutue en ligne, parce qu'elle était chiante. Ou alors, c'est une vidéo que je regrette d'avoir mis en ligne, parce qu'elle était chiante. C'est l'un des deux. Il y a souvent des trucs comme ça avec moi. Hein. Souvent des trucs que je mets en ligne, et quelques semaines après, je me dis, putain, pourquoi j'ai mis ça en ligne, je suis trop nul. Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? C'est le computer Mahjong Yakuman. Donc, c'est un jeu de Mahjong électronique qui date de 1983. Donc, c'est quand même assez tard, en fait, dans les Game & Watch. Mais voilà, et il faut savoir que c'est pas vraiment un Game & Watch, parce que la technologie d'écran, c'est plus la technologie d'écran d'une Game Boy. C'est un écran, en fait, avec la technologie Dot Matrix. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu les technologies d'écran, tout ça. C'est histoire de vous donner l'info. Il me semble que c'est ça, je peux me tromper. Donc, pareil, hein, si je me suis trompé, dites-le dans les commentaires, mais criez pas trop fort. Voilà. Alors, on va d'abord éliminer les modèles un peu spéciaux. Mario Cement Factory. En fait, ce jeu-là, c'est pas un jeu que j'ai acheté. Quand j'ai commencé à collectionner il y a quelques années, il y a un pote, Maxime, que j'avais pas vu depuis très longtemps, et il m'a ramené, en fait, je l'ai encore d'ailleurs, hein, sa console, une Atari 2600 avec plein de jeux, à une époque où j'avais pas d'Atari 2600, alors du coup j'étais tout content. D'ailleurs, pour ça que j'aime bien l'Atari, c'est que si j'aime bien l'Atari 2600, c'est parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui m'ont filé des jeux. Et de ce fait, j'aime aussi la console un peu pour ça. Et en fait, il m'a dit, tiens, j'ai retrouvé ça aussi dans mon grenier. Bon, il n'y a plus cache-pile, mais tiens, vas-y, essaie de voir ce que tu peux en faire. Bon, il fonctionne. J'ai fini par faire un cache-pile avec une pièce de bois. Enfin, je l'ai retiré pour vous montrer ça. Il fonctionne. Et d'ailleurs, les instructions, en fait, sont en français. Vous avez donc ouverture, sonnerie, règle heure, jeu A, jeu B, heure. Voilà, c'est très drôle. C'est un jeu que j'aime bien en plus, Mario Cement Factory. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que c'est un modèle qui commence à être un peu recherché. Surtout pour ceux qui collectionnent que du Mario. Un truc que j'ai eu quand j'étais gamin. J'ai eu la chance de l'avoir. Un Game & Watch de la série Micro VS System. Donkey Kong OK. Je me souviens d'avoir eu celui-là. Et il y a 2 semaines... Quand j'étais en train de voir quelle décoration j'allais faire pour le Game & Watch XL, je me suis dit, mais attends, il existe un micro VS System avec un truc de boxe, je crois que ça s'appelle aussi Punch Out, et je me suis souvenu de l'avoir eu, mais je l'ai pas eu très longtemps, soit je l'ai eu à prêter, soit je sais pas, soit il est tombé en panne, j'ai aucune idée. Alors ça, c'est partie des trucs que je pensais jamais acheter. Mais il y a 5 ans, j'étais de passage sur Amiens, et il y avait une petite boutique qui vendait du rétro gaming. Alors, je pourrais pas vous dire exactement dans quel coin, parce qu'Amiens, malheureusement, c'est pas une ville que je connais très bien. Je connais uniquement le coin où il y a le magasin de BD Bulle en Stock, donc il me semble que c'était plus ou moins dans ce quartier-là. Donc, c'est pas compliqué, il y a un quartier où il y a Bulle en Stock et 2 magasins où ils vendent des instruments de musique. C'est plus ou moins mon quartier, on va dire. Et donc, il y avait une boutique qui vendait du rétro gaming que je connaissais, en fait, parce qu'un viewer m'avait recommandé cette boutique. Et c'était le jour de mon anniversaire. Et je suis rentré, j'ai vu ça, direct, hein. Après avoir dit bonjour en rentrant, j'ai vu ça, j'ai dit, combien? Je me souviens plus exactement le prix. Mais le gars me l'a déballé, il y a tout dedans, il est complet, il y a la notice, il y a le polystyrène, il y a tout. Et allez, je le prends. Je peux pas passer à côté, je suis désolé. C'est d'habitude, les Game & Watch, c'est pas les trucs que j'achète vraiment réellement. Parce que, comment dire... Je les achète vraiment quand c'est à un prix très intéressant, ou c'est vraiment un truc que je veux avoir. Je vous en parlerai après,
le Snoopy Tennis, je voulais vraiment l'avoir, parce que c'est un truc que j'ai eu quand j'étais gamin, et forcément j'avais un attachement à ce jeu. Pour ça, j'avais quand même payé une centaine d'euros, hein, dans Tekkongoké. Ça remonte quand même il y a peut-être 6 ans, hein, 5 ans, 6 ans. Je disais tout à l'heure 4 ans, mais il me semble que c'est nettement plus de ça. Je prends toujours le comme point de référence quand j'emménageais dans l'ancien appart, et c'était bien avant, donc je pense au moins 6 ans, si c'est pas plus. Hop. Alors, Mario Bros en double screen. Alors la boîte va vous paraître clean, c'est pas la vraie boîte, c'est une boîte de repro que mon pote Charles a fait pour moi il y a quelques temps. Il s'est pointé, il m'a dit, tiens, je t'ai fait une boîte. Je dis, oh, bah, merci beaucoup, du coup c'est très sympa. Donc Mario Bros que j'ai eu aussi quand j'étais gamin. Alors un petit conseil aussi, si vous des fois vous négociez des Game & Watch dans les magasins. Parce qu'en brocante, faut être honnête, on n'en trouve plus. Hein. C'est... Ou alors quand on en trouve, c'est plus cher que les prix d'eBay, donc faut pas s'emmerder. Quand vous négociez ça en magasin, s'il manque le cache-pile, on retire de l'argent. Si il manque le numéro de série, forcément aussi. Faites attention, il existe des faux numéros de série pour les Game & Watch. Et ouais, j'en ai vu quelques-uns. Il me semble en fait c'est des numéros de série qu'il y a sur les Game Boy qui ont été transplantés là-dessus. Il me semble que, alors je peux me tromper, que les numéros de série sur les Game Boy commencent par un truc qui s'appelle GM et après le numéro de série, ou GW, c'est l'un des deux, je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais ouais, faites gaffe s'il existe des faux numéros de série pour les Game & Watch. Faites gaffe aussi les Game & Watch, que ce soit les simples ou double écran. Il y a les fameux inserts ici qui sont en acier, avec les décorations parfois se barrent. C'est très simple à recoller, hein. Vous mettez un point de super glue ici, 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 et un au milieu. Vous appuyez, faites gaffe à pas trop en mettre quand même, pour éviter que ça vienne déborder, mais c'est très facile à recoller si ça vient à se barrer. Faites attention aussi aux... Comment dire ça? S'il n'y a pas des brûlures sur l'écran. Si vous savez pas de quoi je veux parler, je mettrai un petit insert pour que vous puissiez voir ça d'un peu plus près. Faut savoir que certaines brûlures d'écran sont réparables et pas d'autres. Tout dépend si la brûlure elle est sur le... Comment ça s'appelle ? Le film polarisateur ou sur le réflecteur, voilà. J'ai essayé de chercher les termes exacts. Et pour une fois, je les ai trouvés. Alors, Snoopy Tennis, que j'ai acheté l'an passé sur eBay, mais que j'ai pété le cache-pile. Non pas au niveau du crochet, mais au niveau du plastique de l'intérieur, ce qui fait que il ne tient plus. Et je suis obligé de le faire tenir avec un morceau de scotch. C'est nul. Mais depuis, je sais comment je pourrais réparer ça, mais j'ai pour l'instant pas envie de m'emmerder avec. Donc c'est un Game & Watch que j'ai eu. J'en ai pas eu énormément, j'ai dû en avoir quoi, peut-être 3 ou 4 quand j'étais gamin. Mais en tout cas, sur les 3 ou 4 que j'ai eu quand j'étais gamin, j'ai eu Snoopy Tennis, j'en suis sûr. J'ai eu le Zelda double écran. Je suis sûr d'avoir eu le Mario Bros double écran. Et tout à l'heure, celui que je vous ai montré, Donkey Kong, ok. Pour le truc avec le jeu de tennis, je suis pas certain, mais je pense l'avoir eu. Mais celui-là, je le voulais impérativement. J'aime bien en fait Snoopy. C'est un truc un peu gnangnan, hein, on est d'accord, hein, mais moi j'aime bien. Donc je l'ai racheté l'an passé, incapable de me souvenir du prix. Ah, faites gaffe aussi, les simples écrans, il y a une béquille. Voilà, à l'arrière, pour pouvoir poser le Game & Watch, voilà, comme ça. Faites gaffe, parce que certaines béquilles, comme la celle de mon Snoopy Tennis, en fait, elles sont tordues, voilà. Je suis obligé de la lever un peu pour le faire rentrer. Et ça fait chier, en fait. Ça, c'est vraiment des trucs pareils, il n'y a pas de numéro de série. Alors, est-ce que c'est celui-là? Non. Je vais d'abord vous le montrer. Pour vous montrer aussi qu'il y a des choses. D'ailleurs, celui-là, je pense que prochainement, j'essaie de faire un Dr. Chou là-dessus pour essayer de le... à la fois de le recoller, et je vais essayer de stalker sur eBay, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a le truc ici, en fait. Oula! Ouais, va falloir que je vérifie s'il marche pour voir si je m'embête à le réparer. Parce que je vois ici que le câble ruban bouge beaucoup parce qu'il y a un crochet qui est pété.
Donc ouais, il manque un insert ici. C'est un truc que j'avais acheté en brocante dans un lot de 3 Game & Watch. J'avais payé les 3 pour 50 euros. C'était plutôt un bon deal. Et c'est pareil, je m'aperçois aussi que c'est un modèle qui avait des inserts en français. Donc je pense que ça va être la merde à trouver un autre insert en français. Je pense que j'ai qu'à plutôt le réparer. Réparer plutôt le crochet et puis ça ira très bien comme ça. Donc voilà. J'essaie de regarder. Non, il y a juste un numéro de série derrière, mais il n'y a rien qui indique que c'est un modèle français. Aussi pour les doubles écrans. Parfois ici, le loquet, le crochet qui permet de maintenir les deux écrans, parfois est pété. Je vous le dis, faites gaffe. Donc celui-là, c'est Mickey et Donald. C'est pas un jeu que j'aime bien en plus. Mais je l'ai eu dans les trois jeux avec Safe Buster, que je vais vous présenter maintenant. Donkey Kong et puis Mickey et Donald. Alors, Safe Buster, c'est pas un jeu qui est très commun. Ah, c'est celui-là, oui, ok. Celui-là, moi, j'aime bien. Voilà, il reprend un peu le principe de parachute, mais avec la dimension du... Une fois que tu as ramassé les objets, il faut les ramener sur le côté pour éviter que tes... comment dire, que tes récipients soient remplis. Voilà. Très sympa, si vous avez l'occasion, il est cool. Mais je m'étais aperçu de ça, c'était que j'avais pas eu le cache-pile d'origine. J'avais eu un cache-pile, soit un truc de repro, soit un truc qui venait d'un autre Game & Watch. Mais c'était pas bien grave. Le prix, c'était quand même assez intéressant. Donc voilà. Donkey Kong 2. Que j'appelle toujours à tort Donkey Kong Junior. Voilà, lui en très 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 bon état. Il n'y a que très peu de griffes, que ce soit sur l'écran. D'ailleurs aussi, hein, sur les Game & Watch, vous avez toujours les artworks sur l'écran, qui sont en couleur. Vérifiez aussi toujours que les couleurs soient pas fades, parce que ça veut dire qu'il a été trop exposé au soleil. Il faudrait que je me penche aussi un jour, savoir s'il n'existe pas des câbles rubans de remplacement pour les doubles écrans, parce que je sais que ça commence à devenir un problème pour beaucoup de personnes qui les collectionnent. Enfin, pour beaucoup de personnes qui jouent avec. Pas forcément qui collectionnent, mais surtout pour les gens qui jouent avec. Alors, Goldcliff, c'est un que j'ai acheté l'été dernier, il me semble, ouais, l'été dernier. Je voulais vérifier parce qu'il me semblait que la croix était plus grande que celle de Donkey Kong 2, mais c'est exactement la même. Alors, Goldcliff n'est pas un jeu que j'aime bien. Mais je me souvenais absolument pas du jeu quand je l'ai acheté. Et surtout, je l'avais acheté à un prix... C'est respectable, il me semble que j'avais payé ça 25 et quelques euros parce que le magasin était en liquidation totale du magasin, tout simplement. Parce que ça changeait de propriétaire et tout le rayon rétro gaming était à moins 40%, je crois, quelque chose comme ça. Et puis il y avait des promotions un peu ridicules, genre de acheter un gratuit tout le rayon rétro, donc voilà quoi. Allez, je m'aperçois que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer et que cette vidéo est déjà en ligne. Oh punaise, elle a déjà 45 000 de vidéos. Ok, bon, je vais me dépêcher. Allez, je ramène la suite. Oh, yippie! Alors, j'ai ramené plein de trucs. Bon, ça, je sais que ça fait pas partie de ce qu'on avait dit. Et c'est un truc, c'est une trousse que j'ai eue quand j'étais gamin. Et elle me fait triper ce truc. Je l'adore cette trousse. Je la fous souvent en vitrine en fait, lors de mes expos. Faudrait que j'essaie de choper ça en fait. Il existe en fait des crayons de bois avec des licences Nintendo, genre Mario, des trucs comme ça. Faudrait que j'essaie de choper en fait ça pour... Voilà, essayer de faire une petite présentation sympa. Bon, elle a quand même mal vieilli, hein. C'est quand même une trousse en... Ah, c'est pas du tissu, c'est quoi, c'est du plastique. On voit à l'intérieur, il y a plein de traces de crayons. Enfin, c'est très drôle, j'adore ça. Un truc aussi qui fait pas partie de cette époque, mais quand je l'ai vu dans la vitrine, je me suis dit, ok, ça, faut que je le montre. L'an passé, j'avais trouvé vu ça, en fait, sur eBay. Et à la base, attention, je voulais l'offrir
comment dire, en lot pour un tournoi que j'organisais. Et puis finalement, quand j'ai reçu l'objet, je me suis dit, oh merde, c'est juste trop bien. Il est hors de question, il faut que je le garde pour moi en fait. Et c'est terrible. Hein. Et le pire, c'est que je me suis dit, bon, il y a des gens dans mon entourage qui sont plus raisonnables que moi. Je vais leur montrer. Et j'ai montré ça à un pote, il m'a dit, tu veux faire gagner ça? J'ai dit, bah ouais, pourquoi c'est nul? Il fait, non, mais fait, si c'est ça, tu me le dis, hein, le jour-là, je viens pour le tournoi, je m'arrange pour gagner, quoi. Donc, en fait, c'est une montre goussée Super Mario Bros. Ça, c'était dans les machines des gachapon, en fait. J'ai me souvenir de l'année, je ne me souviens plus si c'est marqué. On en trouve encore sur eBay en vente, à l'état neuf. Et ces trucs sont juste fabuleux. C'est pas compliqué, le gousset, là... Il pèse son poids, quoi. Moi, je m'attendais à un truc cheapos. Je m'attendais pas à ce que ça soit du métal. Donc, en façade, vous avez, voilà, point d'interrogation. Derrière, des blocs. Et à l'intérieur, bon, vous avez plusieurs designs différents, mais celui-là... Alors, je pense pas que vous arriverez à le voir. Au pire, je mettrai une photo. Hop. Mais c'est juste magnifique, en fait. Sans déconner. Les heures sont symbolisées par les flammes en fait du stage souterrain. Vous avez un Bowser, vous avez un Mario, la fameuse pose qu'il fait quand il est mort en fait, quand vous entendez le petit jingle de la mort. Ce truc est juste formidable. Et le petit pétouillon pour appuyer pour ouvrir le gousset, c'est un champignon quoi. C'est juste débile. C'est juste débile. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je le garde. C'est pas compliqué, sur le moment, je me suis dit, je crois qu'il existe un truc comme 8 modèles différents, 4 ou 8 modèles, je sais plus. À un moment donné, je voulais tous les acheter, en fait. Puis après je suis revenu à la raison, je me suis dit, ok, j'en ai un, c'est déjà pas mal, quoi. Alors, on va passer à tout ce qui est jeu de cartes, mais avant le jeu de cartes, quelque chose dont je me souviens plus, si j'en ai parlé dans une précédente vidéo, qui est... d'un jeu de Mahjong que j'ai acheté. Alors attention, la boîte elle est pétée. Mais je l'ai acheté pour 1 yen. Sans déconner. Alors, il porte la mention Nintendo ici. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Hop, voilà. Nintendo. À l'intérieur, il porte aussi d'autres mentions Nintendo. Donc le jeu est complet. En très bon état pour un machin d'époque. Vous avez la mention Nintendo Playing Card Company. Alors, j'ai aucune idée exactement de quand ça peut dater, mais pour avoir cherché un peu, il me semble que les trucs qui portent la mention Nintendo Play Card Company, c'est des trucs qui datent en fait des années 50 ou 60. En dessous, vous avez aussi une mention Nintendo Playing Card Company Limited. Le jeu est complet. Il manque juste un crayon de bois qui venait s'insérer... Je pourrais pas vous le montrer parce que la boîte, elle est tellement fragile que j'ai même hésité à la sortir... de la vitrine. Et d'ailleurs, autre chose, le jeu de Mahjong pèse une tonne. Je m'attendais pas à ça. Ce qui est plutôt une bonne chose. Niveau qualité. Alors, on va peut-être séparer tout de suite les trucs japonais et les trucs un peu plus occidentaux. Ça, c'est pas un truc d'époque. C'est un machin, en fait, qui est encore en vente. Je me souviens jamais le nom de ce jeu. Enfin, bref. C'est un jeu de mémoire, en fait, où vous devez deviner, en fait, la seconde partie d'un poème. Il me semble que le président Yamauchi était très fan de ce jeu, c'est pour ça Nintendo l'a commercialisé, on pouvait en trouver à peu près tous les prix, mais Nintendo en fabrique encore, en fait, de nos jours. Donc c'est pour ça, vu le prix que j'ai payé, je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'était quoi, une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Passons maintenant au Hanafuda. Alors, les Hanafuda, ça, c'est un set Club Nintendo avec les personnages de Mario. Ce set est fabuleux. Sans déconner, hein, il est vraiment fabuleux. Je le trouve magnifique. Et c'est ce qui a commencé, en fait, mon obsession pour les trucs Nintendo, en fait, que je connaissais pas. C'est pas compliqué. Quand ça, c'était sur le Club Nintendo. De mémoire, ça expliquait pas vraiment exactement ce que c'était, ou comment dire, il y avait à cette époque pas vraiment de documentation sur Internet pour les cartes
traditionnelles japonaises, pour les Hanafuda ou même les cartes Nintendo. Il y avait pas vraiment grand chose, c'était un peu encore à l'époque du Far West, des internets. Et de ce fait, c'est quand j'ai vu passer en fait l'histoire Nintendo volume 1, j'ai compris en fait ce que c'était en fait les cartes japonaises, les cartes Hanafuda. Et de ce fait, l'an passé, je me suis dit, ok, j'aimerais bien avoir un set d'époque. Mais quand j'en trouvais, c'était vraiment trop cher, quoi. Donc ça m'a fait chier. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, Nintendo en fabrique encore, en fait. Donc ça, c'est le set présidentiel, comme ils appellent ça. En fait, je crois que ça porte le nom de Daitolio. Le problème, c'est que Napoléon, c'est un empereur, quoi. C'est pas vraiment un président. Donc voilà, je l'ai payé un truc comme 17, entre 17 et 20 euros. Vous pouvez encore en trouver en neuf, hein, Nintendo en fabrique encore, je vous dis, donc c'est très bien. Et puis en fait, quelques temps après, par hasard, un soir, en fait, en parlant avec un pote, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vendait un set de... Parce qu'en fait, pour jouer, d'après ce que j'ai compris, pour jouer au Hanafuda, il vous faut deux sets. Alors je vais prendre le temps d'en ouvrir de vous montrer ça. Je fais toujours attention quand je manipule ce truc, ça me fait flipper. Hop. Donc il y a quelqu'un qui vendait sur eBay. Hop, voilà. Deux sets dans une boîte. Neuf encore sous blister. Donc vous avez les mentions Nintendo derrière. Nintendo Company Limited et copyright by Nintendo. Parfois vous avez aussi l'inscription Nintendo sur le timbre fiscal, qui est sur tous les jeux de cartes, que ce soit les Hanafuda ou des trucs plus classiques. Et je me souviens plus le prix que j'ai payé ces deux trucs, mais je suis fort content de les avoir dans ma collection. Parce que je ne les ai jamais sortis en fait de leur blister, et quand je mets dans une vitrine ces deux jeux, j'ouvre ce truc, j'étale les cartes devant. Ça permet de montrer aux gens ce que c'est et de conserver aussi l'intégrité physique de ce set d'époque. Par contre, de quand il date, je n'ai absolument pas l'info. Et c'est encore l'un des problèmes maintenant quand vous cherchez à dater les cartes Nintendo. Et justement, on va passer maintenant aux cartes entre guillemets un peu plus occidentales. Pour certaines choses, j'ai réussi à les dater en regroupant des infos aux quatre coins des internets, notamment encore une fois grâce au blog Before Mario. Alors, un set promotionnel Nintendo de la compagnie, fabriqué par Nintendo, mais un set promotionnel de la compagnie Japan Airlines. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir derrière, mais c'est pas grave. C'est pas compliqué. Si vous faites les marchés opus ou les brocantes, vous voyez un vieux jeu de cartes. Vous regardez l'As de pique. Si l'As de pique, alors attention, au milieu, vous avez le logo Japan Airlines. Mais si au milieu, vous voyez l'As de pique avec ce truc. Parfois, c'est marqué Nintendo. Parfois, c'est pas marqué Nintendo. Mais si juste vous voyez l'As de pique avec ce design, c'est un jeu de cartes fabriqué par Nintendo. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais chou, Nintendo, avant Donkey Kong et avant les Game & Watch en France. Et ben en fait, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur eBay, sur un jeu de cartes d'une marque de parfum. C'était pas vendu comme un truc Nintendo. Et c'est juste, j'ai repéré le machin. Alors par contre, le prix était totalement débile. Je crois que c'était Lancôme ou un truc comme ça. Enfin bref, le prix était débile. C'était une centaine d'euros pour un jeu de cartes, pardonnez-moi, mais c'est beaucoup trop. Ça, je l'ai payé un truc comme un peu plus d'une dizaine d'euros sur eBay. Parce que je voulais avoir un jeu de cartes qui ne soit pas neuf. Histoire de montrer un peu... C'est sympa d'avoir des trucs neufs. Mais des fois, dans une vitrine, avoir un truc qui a un peu vieilli, qui a été manipulé, c'est aussi bien, quoi. Moi, j'aime bien. Vous savez, j'ai rien contre. Alors, les Premium Mario Trump que j'avais déjà montré dans une vidéo. D'ailleurs, vous seriez surpris de voir ce que vous pouvez trouver sous le nom de Nintendo et Trump. Trump comme le président, mais ça n'a rien à voir. Aucun lien, fils unique, c'est comme Karamazov les frères. Ce jeu est magnifique. C'était un jeu qui était distribué via le club Nintendo. Il est juste exceptionnel. Je suis très content de l'avoir dans ma collecte.
Parlons maintenant des trucs qui sont encore en vente, neufs de nos jours, via Amazon ou quelques trucs, quelques sites comme ça, qui sont très sympas et qui coûtent moins de 10 balles. Si vous cherchez à avoir un jeu de cartes Nintendo dans votre collecte, vous pouvez trouver sur... je crois que celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Des cartes, en fait, derrière, voilà. Hop, décorées. C'est un produit officiel, hein, je précise. Donc derrière, vous avez un sprite de Mario. L'as de pique, voilà. Ça fait quand même une petite référence à Nintendo avec, voilà, la forme et le design de l'as de pique. Toutes les cartes sont décorées à chaque fois avec un personnage. Je vais essayer de vous en montrer une ou deux. Donc là, ici, le 6, vous avez un Champlard. Le 10 de carreau, vous avez un Goomba dessus. Voilà, c'est très drôle. Moi, c'est le genre de truc qui... Genre de petits tatouages qui me font marrer. Tous les As, il me semble, c'est... Ouais, c'est ça. Tous les As, c'est Mario. Le Roi, à chaque fois, c'est Mario. La Reine, forcément, c'est Peach. Luigi, à chaque fois, pour le Valet. Il me semble que les Jokers aussi sont décorés, si j'arrive à les trouver. À moins que j'y arrive pas. Je sais pas s'il y a des Jokers dans ce jeu, je me souviens plus. Je cherche quand même... Ah oui, les Jokers, c'est forcément c'est Bowser. Voilà. Donc c'est un jeu que vous pouvez trouver pour moins d'une dizaine d'euros si vous avez du bol. Qui est vendu dans une boîte qui, elle aussi, porte la mention Nintendo sur le plastique. Donc c'est un produit officiel. C'est très sympa. Si vous jouez des fois au poker avec vos potes et que vous voulez un jeu de cartes Nintendo, produit officiel, mais pas, entre guillemets, manipulé, bousillé, un truc d'époque... Ça se trouve, il y a plein de designs différents, c'est très sympa, ça coûte pas bien cher. Je vous le recommande. Donc ça, vous l'aviez vu dans une précédente vidéo, qui est le Miracle Box. Ouais, c'est partie des vidéos que je regrette un peu d'avoir mis en ligne, parce que c'est un peu naze, quoi. Faut être avoué que cet objet est un peu nul, et que mes compétences en matière de lecture du japonais sont proches du néant, du coup j'ai jamais pu correctement traduire la notice. Un jeu d'époque des années 80 avec Snoopy. Quand je vous disais tout à l'heure, j'aimais bien Snoopy, c'est pas mentir. Donc c'est un jeu de la série All Plastic. Alors All Plastic, c'est des cartes en fait qui sont fabriquées en plastique. Il me semble d'ailleurs que Nintendo était un pionnier dans cette technologie, on va dire. Donc derrière, vous avez la mention Nintendo sur la boîte. Généralement en façade, c'est marqué All Plastic. Et donc là, forcément, voilà, Snoopy, ça, on s'en fout. Hop, l'autre as de pique, voilà, hop, voilà, comme ça. Au milieu, vous voyez, il y a un N. Hop, là, voilà. Ça, en fait, c'est l'as de pique plus ou moins emblématique de chez Nintendo. Et si la mention Nintendo n'est pas sur l'as de pique, vous avez quasiment toujours dans les jeux de cartes après les années 70... une carte qui s'appelle International Contact Bridge Score. En fait, c'est tout simplement une carte qui vous explique la valeur des points quand vous jouez au bridge, je pense. Et en bas, c'est marqué Nintendo Company Limited. Voilà, où il y a mon petit doigt ici. Voilà. Hop, et je regarde l'heure, c'est bon. Il est 16h, ce que je reçois de la famille ce soir pour manger. Et j'ai toujours pas préparé le repas. Donc voilà. C'est pas un jeu que j'ai payé ultra cher, mais il était neuf. Dans son blister, je l'ai déblisterisé, mais pas à la bourrin. De cette manière, j'ai pu garder le timbre fiscal. Et surtout, j'ai pu remettre dedans, je peux remettre dedans, voilà, les cartes dans le blister et refermer la boîte. C'est plutôt pas mal. A savoir que si vous êtes aussi à la fois collectionneur de jeux vidéo, collectionneur de trucs Nintendo et collectionneur de trucs Disney, il existe des cartes, voilà, et pas mal de jeux de sociétés à l'effigie de trucs Disney qui ont été fabriqués par Nintendo pour le marché japonais. Et ici, un double set de la série All Plastic aussi, il me semble, que j'ai payé pour moins de 20 euros cette année sur eBay. Derrière, il y a la mention Papeterie Boulot Bendalf à Interlaken. C'est en Suisse. C'est une papeterie suisse. D'ailleurs, c'est marrant, hein. Il y a des moments où j'arrive pas à comprendre, en fait, la réaction de certaines personnes. C'est... J'ai foutu, en fait, une photo, des photos de ce set sur,
sur Twitter. Tout de suite, il y a deux personnes qui ont crié au fake. Alors comment je serais capable d'imprimer des cartes sur du plastique? Comment je serais capable de falsifier un blister? Comment je récupérerais un autocollant d'une papeterie qui est à plus de 1000 km de chez moi? Allez, je vais le refaire encore une fois. Désolé. Voilà, c'est au-dessus de mes forces, mais bon. Voilà. À part répondre gentiment que non, je n'ai pas ce genre de faculté, je n'ai rien pu dire de plus. Donc voilà, toujours le logo Nintendo. Parfois, vous avez la mention Nintendo Company Limited, parfois la mention Nintendo Playing Card Company Limited. Donc voilà. Et ce set date, j'ai d'après les recoupants que j'avais fait sur le site Before Mario de 1983. Voilà. Et derrière aussi, la mention Nintendo Play Card Company incrustée dans le plastique. Je pense pas que j'arriverai à vous montrer ça. Allez, maintenant, pour terminer, tout ce qui est jeux de société, jeux de plateau, et puis je pense qu'on aura quasiment fait le tour, il y aura deux objets que j'aurais pas présentés, qui sont dans ma vitrine, mais il y en a un qui rentre absolument pas dans l'époque qu'on avait définie au départ, à savoir le Virtual Boy, puis maintenant Virtual Boy, vous savez aussi ce que c'est. Puis j'ai une paire de chaussures. Ah, je vais quand même vous la montrer. Allez, tant pis, je la prends. Je vais chercher tout ça, et puis voilà. Alors, allez, maintenant, tout ce qui est jeu de société, jeu de plateau. Et puis, je m'aperçois que j'ai pas montré le tapis qui va avec le jeu de Mahjong. Donc, j'aurai l'occasion de le montrer. Voilà, le Donkey Kong de chez MB. Voilà, donc la version française. Je dois l'avouer que celui-là, je l'ai acheté sur Internet. Le seul de... jeu de société MB avec des licences de jeux vidéo que j'ai acheté en brocante, c'est le Pac-Man, donc il est complet. Alors par contre, si vous voulez ce jeu de société, il va falloir trouver les bons élastiques. Par chance, j'en ai trouvé et j'en ai mis une dizaine dans la boîte. Voilà, il est complet. C'est pas un jeu exceptionnel, mais j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que c'était de la merde, c'est nul. Ouais, c'est pas génial, on est d'accord. Faut prendre aussi en compte que ce truc, il a quoi? Il a presque 40 ans, non? C'est pas ça? Donc voilà, on peut-être pas non plus râler de machins qui ont 40 ans. Sauf si c'est à but humoristique, on est d'accord. Dans ce cas, on a le droit de se moquer, on a le droit de râler. Alors, un truc à la base, sans déconner, hein, j'avais vraiment acheté pour moi. Puis quand je les ai reçus, je me suis dit, non, c'est trop beau, je peux pas les mettre. Décemment, je peux pas faire ça. C'est une paire de Converse All Stars. Déjà, vous voyez dans le A de Stars, qu'il y a un Mario qui se balade. Allez. Quand je les ai reçus, je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi magnifiques. Donc en façade, vous avez un petit All Stars avec un Mario. Et sur le côté, de chaque côté, vous avez une étoile. Voilà, une étoile. Elles sont magnifiques, même le logo ici derrière, All Stars est décoré. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles sont vraiment stylées. Et le pire, c'est que depuis, j'ai rencontré pas mal de gens qui... Ça existe, hein, je vous assure. C'est-à-dire que moi, c'était un truc que je ne savais absolument pas. Qui collectionne en fait des sneakers, qui collectionne des chaussures, on va dire. Et j'ai 2-3 personnes qui ont voulu me les racheter. Bon, finalement, je les ai pas revendus. Je regrette pas parce que... En fait, je les sors rarement de leur boîte. À un moment donné, elles avaient une place dans la vitrine où elles étaient sorties de leur boîte. J'avais fait une petite présentation sympa, c'était cool. Mais voilà, je les sors maintenant rarement de leur boîte. Je les déplace que très rarement pour les expositions parce que j'ai d'autres choses qui sont un peu plus vintage à mettre en valeur. Je m'aperçois ici que j'avais la petite étiquette Converse Footwear. Voilà. Que j'avais sorti de la boîte. Donc ouais, c'est un truc que pendant longtemps, hein, sans déconner, pendant 2 ans, 3 ans, je me suis dit pourquoi j'ai acheté ça. Non seulement je les mettrai jamais, mais elles sont bien, attention, hein, moi je les faut kiffer. Mais voilà, quoi. C'est un truc que j'ai longtemps regretté, et puis bah, en fait maintenant je me dis que pas du tout. Puis derrière vous avez. Voilà, hop.
petite mention encore Nintendo. Bon, attention, j'ai conscience dans cette vidéo, non seulement elle va être trop longue, en plus il ne reste que 15 minutes, ça va, j'aurai le temps de terminer. Mais j'ai conscience qu'il y aura beaucoup de choses que vous auriez vues dans d'autres vidéos, mais bon. Comme ça, au moins, il y a une vidéo qui centralise tout, et puis je serai tranquille. Hop, le tapis qui va avec le jeu de Mahjong. Alors, ouais, il est énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Donc le tapis est à l'intérieur, est-ce que je vous le montre? Pas vraiment d'intérêt. Surtout parce que je m'aperçois qu'après il va falloir le remettre dans sa boîte et que je vais encore en chier. Donc voilà, Yakuman Mat, que j'avais acheté en même temps que ça. Et en fait, quand on m'avait dit combien mon colis pesait, il y avait dedans ça, le jeu de Mahjong, le Pong Coca, et puis il y avait encore autre chose, je sais plus, enfin bref. La machine à voilà. Quand on m'avait dit que le colis pesait 22 kg, je pensais que c'était la machine qui pesait 22 kg. Je savais pas que ça, c'est pas compliqué, le tapis avec la boîte, il pèse plus lourd qu'un pack d'eau. Ouais, et le jeu de Mahjong, voilà, il est pas très loin aussi. Donc voilà, Yakuman Mat, si jamais vous voulez le tapis officiel pour le jeu de Mahjong Nintendo, il existe un tapis. Et on va terminer avec deux choses que malheureusement vous avez déjà vues. Mais j'ai encore l'occasion d'en parler une petite fois. Roulette! Que j'ai payé moins d'une vingtaine d'euros. Je ne sais plus exactement le prix où je l'ai payé. Alors depuis, j'ai pu constater plusieurs choses. C'est que sous le nom Roulette, Nintendo a commercialisé beaucoup de choses. En qualité plus que variable. Celui-là, c'est vraiment le fond du baril. C'est vraiment ce qu'il y a de plus bas de gamme au niveau de la roulette, au niveau des pions. Par contre, le tapis, lui, il est stylé. Le tapis est en tissu. Le tapis porte la mention Nintendo. Voilà, le tapis en lui-même, voilà. Il est à la fois vintage et kitsch. Et celui-là, il date de 66, il me semble. C'est pareil, hein, attention, prenez pas ça pour argent comptant. J'ai trouvé ces dates en faisant des recoupements divers et variés. Et on termine par le Twister. Alors, en jeu de société Nintendo, j'ai encore deux autres choses. J'ai le... comment il s'appelle? Le Jenga, et puis j'ai un Uno aussi, Nintendo. Mais bon, je sais pas si ça vaut trop le coup de le montrer, au pire je le ferai un jour dans une vidéo à part. Donc Twister, ou alors peut-être un jour faire une vidéo sur tous mes jeux de société, pas forcément que les trucs en rapport avec un jeu vidéo, ouais, voilà. On fera peut-être ça comme ça. Donc le Twister, vous l'avez vu dans une précédente vidéo que je regrette amèrement d'avoir mis en ligne, que j'avais fait de la merde en fait, c'est pas compliqué. Depuis, j'ai viré toutes les saloperies que j'avais fait pour rafistoler cette boîte, et j'ai mis un vrai renfort en carton, comme maintenant je sais le faire, et je regrette pas d'avoir réparé cette boîte, parce qu'elle était un peu tristounette. Bon, et bien sur ce, je vais devoir ranger tout ça, je m'aperçois que mes cheveux, c'est terrible, il faut que j'aille chez le coiffeur. Je suis un peu fatigué, excusez-moi, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous rassure, ma santé va bien. Je suis en train de faire des ajustements, en fait, au niveau... Bon, je peux en parler tout de suite, au niveau de mon régime alimentaire. Et il y a des moments, en fait, de la journée... J'ai l'impression d'être KO, en fait, mais c'est normal. Je sais que ça va se remettre en place d'ici quelques semaines. Allez, sur ce, des bisous, à très bientôt, et... Si vous avez trouvé cette vidéo trop longue et trop chiante, laissez un commentaire. Allez, d'ailleurs, avant de se quitter, la prochaine vidéo, la collègue de Monsieur Chou, dites-moi ce que vous voulez voir. Voilà, dites-moi, voilà, ça, on voudrait bien voir ça, ou alors ça serait une bonne idée. Voilà, parce que cette vidéo, enfin, cette chaîne, j'ai vu d'ailleurs la semaine passée qu'on avait dépassé les 2300. Quand j'ai démarré cette chaîne, j'y croyais absolument pas. Déjà, avoir 500 abonnés, pour moi, c'était déjà le bout du monde. Donc, en avoir plus de 2300, c'est déjà pour moi beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs publics. Il y a le public de ceux qui regardent les streams, il y a ceux qui regardent les vidéos collection et les vlogs, il y a ceux qui regardent les vidéos réparation. Donc, je suis un peu largué, en fait. C'est pour ça, s'il y a du contenu que vous voulez voir, dites-le-moi.
Moi, ça me ferait plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir de toute façon. Allez, sur ce, je vous sauve, j'allais dire. Je vous laisse. Putain, j'ai tout ça à ranger. Allez, à très bientôt. Et j'essaierai de... Bah non, je vais pas dire que je vais essayer. Cette vidéo, elle sera longue et chiante de toute façon. Allez, des bisous.